Bonjour. Voilà dans l'intimité de Carte Blanche, puisque nous trouvons dans la loge où s'installent les artistes qui passent dans cette émission. À mes côtés, trois garçons, trois Rouennais. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle les Dogs. En français, ça veut dire les chiens. Et nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en reparler avec eux. Que trouverez-vous aujourd'hui dans cette émission? Essentiellement de la musique avec Christian Ferrari. C'est un chanteur havrais. Les Dogs. Et puis Philippe Châtel, que vous entendez souvent à la radio. Ses chansons sont assez souvent classées dans les hit-parades. Les Dogs, donc, trois garçons, trois Rouennais. Il y a Dominique, Hugues et Michel. J'ai une question qui me tient à cœur parce qu'on dirait que vous suivez un petit peu l'évolution de tous les groupes de rock'n'roll français. Mais contrairement à eux, vous ne parlez pas en français, mais en anglais. Alors pourquoi ce choix de faire vos paroles de chansons en anglais? C'est pas un choix, on a toujours fait ça. Sans trop savoir pourquoi. Mais vous savez ce que vous faites quand même maintenant. On sait ce qu'on fait maintenant. Alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça maintenant? Pourquoi on fait ça? Pourquoi vous faites des disques? Pourquoi vous faites des tournées? Pourquoi vous faites du rock'n'roll? Tu poses cette question-là à d'autres groupes déjà? Non, mais vous, je vous la pose. On fait ça parce qu'on aime ça, je crois. Première chose. Bon, alors si vous ne faisiez pas ça, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Rien, je sais pas où je serais. Vous serez, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Hugues? Travaillerais. Bêtement. Bêtement, ok. Bon, vous êtes à peu près prêt maintenant. Donc, vous allez passer à côté dans le studio, puis on va vous écouter dans une première chanson. Les Dogs.